Et salut à tous, c'est Jérôme, on se retrouve pour certainement la dernière vidéo sur Professeur Layton et l'étrange village. Où aujourd'hui on va faire un petit tour vite fait sur notre partie pour finir les mini-jeux. Enfin pour finir, pour avancer dans ton été. Et après on ira faire un petit tour dans les extras pour voir un peu ce qu'on a débloqué. Donc hop, on revient au Datour. Donc bricole, on a rien de nouveau. Hôtel, on a rien de nouveau. Là on a le journal du prof. Blabla. Hop, en route vers la tour. Ascension, le secret de la pomme d'or, la fortune des Reynolds. Hop, le tableau, vraiment un peu ce qu'on a. Putain, on a plein de pièces. Donc en fait ces mini-jeux ils servent à débloquer les défis du professeur. Par contre il n'y a aucune solution pour revenir en arrière pour revenir donc sur le je me rappelle plus le menu principal, voilà. Donc je sais pas si le fait d'avoir reboot la ROM aura fait planter l'enregistrement. Je vais vite fait aller voir. Non, ça tourne encore. Alors, extra maintenant. Donc les extras, c'est simple. Il y a chaque save à son petit extra. Donc dans les extras, nous avons les énigmes hebdomadaires qui se téléchargent sur le... grâce à la connexion Wi-Fi Nintendo. Problème, c'est que les serveurs Nintendo sur DS ont récemment fermé. Donc il n'y a aucune chance qu'on puisse avoir des énigmes. De plus, faut faire les paramètres Wi-Fi. Enfin bref. Et je suis sur un émulateur. Alors après, on a la liste d'énigmes. C'est exactement la même que dans le jeu standard. On a les défis du professeur, donc, comme je disais. Les défis du professeur, c'est... les trois d'en haut, là. C'est donc le chien, l'hôtel et le cadre. Enfin, la peinture. La maison de la pomme d'or, c'est une fois qu'on a fini l'histoire. Et la dernière, c'est une fois qu'on a résolu toutes les énigmes précédentes, donc c'est-à-dire maison de la pomme d'or, cela. Chaque catégorie possède 3 énigmes. On va en faire une par exemple. Enfin on va essayer d'en faire une. Essayez donc de résoudre cette énigme. Oula, sans Picara ça va pas être dur. Aux échecs, la dame peut se déplacer d'autant de cases que vous voulez, horizontalement, verticalement et en diagonale. Dis-y voilà, arriverez-vous à placer les 8 dames sur un échiquier standard? Les règles n'ont pas changé. Aucune des dames ne doit être en mesure de rencontrer une autre, à vous de jouer. Je me rappelle plus trop comment ça marche.